Enfin, une bonne nouvelle. Alors que nous sommes coincés avec le confinement, le président de la République et le Premier ministre nous ont fait comprendre que celui-ci allait être petit à petit allégé. Et parmi les bonnes nouvelles, alors que seules les célébrations d'obsèques étaient jusqu'à présent autorisées, toute célébration sera possible à partir de samedi. Malheureusement, la jauge de 30 personnes qui avait été mise d'une manière arbitraire pour les obsèques demeure. Évidemment, 30 personnes à une messe du dimanche, ça ne fait pas beaucoup. Mais nous n'allons pas rentrer dans des querelles dignes d'une cour de récréation de primaire et nous essayons de comprendre la finalité de cette jauge. Nous le savons, c'est de continuer à lutter contre l'épidémie. Alors, en nous précipitant à l'église, nous allons bien sûr respecter absolument tous les gestes barrières pour montrer que nous voulons évidemment lutter contre cette épidémie dont nous savons qu'elle connaît une baisse, mais nous savons aussi que le virus n'est pas éteint pour autant. Nous allons certainement être amenés, et j'invite les curés à discuter avec leurs équipes de coordination paroissiale, à multiplier les offices au moins pour le dimanche. Vous pouvez aussi, bien sûr, venir à la messe en semaine, à défaut d'y aller le dimanche, et vous pourrez ainsi petit à petit montrer que l'important de la vie de l'Église, c'est bien le fait d'être unis ensemble. C'est le temps de l'Avent qui s'ouvre, un temps d'espérance.